j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec le Christmas tag que je tourne devant ma chambre, que je tourne dans ma chambre et non devant le sapin parce que je préfère tourner devant le sapin pour une autre vidéo, enfin voilà, qui sera plus en rapport, donc pour le tag de Noël. Je me suis dit pourquoi pas faire ça dans ma chambre tranquille un dimanche. Donc, voilà. Ce tag est composé de 8 questions et ces 8 questions je les ai récupérées de d'autres chaînes ou je les ai réécrites ou j'ai juste modifié un mot pour faire une autre question, enfin ça c'est compliqué. Donc le tag, j'espère qu'il va pas être très long et j'espère surtout que ça va vous plaire, voilà, tout simplement. Donc je vous laisse regarder. Première question, quel est ton film préféré? Alors mon film préféré, tout simplement, enfin, de toute façon j'en ai deux films préférés vraiment que je peux pas zapper pour Noël, donc c'est le Pôle Express et le Drôle de Noël de Mrs. Scrooge. Deuxième question, ton chocolat de Noël préféré? Alors mon chocolat de Noël préféré, c'est tout simplement en priorité les Ferrero Rocher et ensuite les truffes. Troisième question, gants en moufle? Bah tout simplement je préfère plutôt les gants parce que voilà, enfin, je me sens beaucoup plus à l'aise que dans des moufles. Et puis voilà, donc je préfère plutôt des gants, je trouve que c'est... Enfin, je trouve que je suis plus à l'aise dedans. Quatrième question, tu restes en pyjama ou tu te prépares pour le matin de Noël? Et bah tout simplement, déjà pour le matin de Noël, je préfère rester en pyjama pour ouvrir mes cadeaux. Enfin, j'ai eu pris cette habitude-là comme beaucoup de monde, je pense. J'aime pas me préparer avant ouvrir le cadeau, sachant qu'à chaque fois qu'on se lève, on se lève toujours à 7h du matin parce que Debbie est pressée, Debbie veut absolument ouvrir ses cadeaux. Voilà, donc surtout quand tu sais qu'il y a des cadeaux inespérés ou des cadeaux que j'avais zappé, enfin voilà, que je voulais absolument parce que des fois je demande des choses, je veux des choses des mois à l'avance pour Noël, mais arrivé à Noël, je sais plus ce que je veux. Ce que j'ai commenté, j'ai des bugs pour mes listes, donc heureusement que ma mère elle a une bonne tête et que bah. Elle mémorise tout, enfin sinon je serais un peu dans la mouise parce que j'aime pas oublier les choses, ça me perturbe, mais au moins j'ai l'effet de surprise, je peux faire « Ah oui c'est vrai, j'avais demandé ça, ah oui c'est vrai je voulais ça ». Enfin voilà, au moins c'est un effet de surprise et au moins rien n'est gâché pour Noël parce que au moins, vu quand tu perds la tête, eh ben, c'est plutôt pratique parce que voilà, t'as l'effet de surprise et t'es pas déçu quoi. Cinquième question, ton sapin est-il vrai ou faux? Tout simplement, bah, c'est un faux sapin, voilà. J'aime pas les vrais sapins avec ma mère, on n'aime pas ça parce que déjà, faut l'acheter vraiment en retard. Enfin, du coup, la décoration de Noël, elle est faite en retard. Enfin, t'en profites pas. Tu passes le balai je sais combien de fois dans la semaine parce que c'est allé piquer tout. Enfin, j'aime pas ça, les vrais sapins dans une maison. Enfin, j'aime pas ça personnellement. Après c'est vous qui décidez, mais je préfère les faux sapins, au moins ça coûte pas cher, ça dure des années et puis voilà quoi, tout simplement. Et puis tu peux faire ta déco quand tu veux, t'es pas obligé de faire ta déco à la limite à la dernière minute. Donc voilà, donc moi c'est un faux, il mesure 1m80 et puis voilà. Sixième question, là où tu vis, passes-tu une Noël sous la neige? Tout simplement, c'est très rare qu'on a de la neige en période de Noël. C'est généralement la neige quand on en a en Bretagne, c'est généralement en février qu'on l'a, pas en période de Noël. Donc de toute façon ma mère elle aime pas avoir de la neige le jour de Noël parce qu'on va chez mes grands-parents, du coup pour la route c'est pas très top. Elle aime pas conduire quand on a de la neige, surtout avec des pneus qui sont pas forcément toutes neuves, donc qui glissent, certaines et glissent, donc c'est voilà, ma mère elle a peur de ça, donc non. On ne souhaite pas généralement de la neige le jour de Noël. C'était question de ton meilleur souvenir de Noël. Tout simplement c'est que mon meilleur souvenir de Noël, bah, j'en ai plein, mais tellement plein que je peux pas vous raconter. Et vu que je veux pas que la vidéo dure trop longtemps non plus, et bah, je préfère vous raconter un petit souvenir juste comme ça. Donc en fait c'était un Noël, je sais plus de quelle année, ça doit être il y a à peu près 3 ans je crois, je ne sais plus. J'avais un cadeau vraiment unique, inespéré. J'aurais jamais cru en fait avoir ce cadeau. J'aurais jamais pu y penser avoir ça le matin de Noël. Alors c'est tout simplement la baguette d'Hermione Granger de Harry Potter qui vient directement des studios de Londres. C'était en série limitée à Carrefour. Et quand ma mère elle a vu ça, bah,
Bon, elle a un peu hésité entre la baguette d'Harry et la baguette d'Hermione, mais vu qu'elle sait que mon héroïne c'est Hermione et avant tout, donc voilà, donc elle a pris celle d'Hermione. Ça a coûté 15 euros et franchement, je l'adore. Ok, c'était une baguette de collection, on ne doit peut-être pas les sortir, mais moi j'adore sortir les baguettes et jouer avec pendant, enfin je sais combien de fois, je mettais un DVD d'Harry Potter, surtout le 7ème, et je m'amusais en fait à être un personnage qui n'existe pas en fait dans Harry Potter, voilà, pour tout vous dire, je m'amusais à jouer la petite copine de Draco Malfoy, même s'il n'en avait pas dans la saga Harry Potter, bref, je réinventais les histoires et pour le coup ça collait, mon délire, je me faisais des fausses blessures et tout ça, enfin je m'amusais, maintenant je le fais plus parce que je suis grande. Voilà. Et enfin, 8ème question des traditions pour le 24 et le 25 décembre. Alors, tout simplement, c'est que le 24 décembre, au soir, on va à 20h, entre 20h et 20h30, on va en fait à la messe de minuit. C'est la seule fois où on va en fait à une messe. C'est la seule fois de l'année qu'on va à une messe, c'est le 24 décembre au soir. C'est notre petite tradition. C'est voilà, nous, en fait, depuis que je suis toute petite, on fait ça. Enfin, depuis toute petite, ça fait 9 ans qu'on fait ça plutôt. On va à la petite messe, à la messe de minuit, à chaque fois que je suis à la messe de minuit, ça me fait stresser parce que, en plus déjà il fait un peu froid, je suis en plein stress parce que le lendemain c'est Noël, voilà, je suis un peu surexcitée, donc voilà, après la messe de minuit, on rentre chez soi, enfin chez nous, on se met à un film de Noël, on mange notre bûchette, à minuit, on met, en attendant, enfin, généralement le film finit, avant minuit, du coup, dès que le film est fini, en attendant minuit, ma mère me lit Martine la nuit de Noël, auquel je suis grande, mais j'adore ça. Et dès que c'est fait, dès que c'est minuit, voilà, vu que nous on a une crèche, on prend le petit Jésus et on met à la crèche. Je pense que ça, je vous l'ai déjà raconté l'année dernière dans un tac, c'était le Noël est à nous que Hudvice avait créé. Mais je préfère vous le redire. Donc voilà, donc on fait ça. C'est notre tradition du 24. Et le 25, notre tradition, c'est tout simplement, on se lève à 7h, on ouvre nos cadeaux. Déjà, on ouvre nos chocolats et on mange un parce qu'on est très gourmande. Et puis, on ouvre nos cadeaux et tout ça. On prend le petit-déj, on s'habille, on se maquille et on prend tout le bordel. Et on va chez nos grands-parents pour le réveillon de Noël. Donc voilà, après on n'a pas trop de tradition le 25, mais on fait un bon repas de Noël avec ma grand-mère et mon grand-père. Mais cette année il y aura une personne de plus, c'est ma tante qui vient de loin, donc on va passer un très bon Noël à ce moment là donc voilà, donc c'est vrai que le 25 on n'a pas trop de tradition, mais voilà, c'est une journée comme les autres, donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, aimer et puis vous abonner. Ça me fera très très plaisir. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Donc c'est le 16 décembre. Donc ce sera ma wishlist. Devant le sapin cette fois. Sur ce, je vais vous noter les deux personnes que je tague ici, là. Voilà, donc j'espère que les deux là le feront, mais je sais qu'une va le faire. Je ne dirai pas qui, enfin en même temps, vous allez deviner, je suppose. Et puis, donc on se retrouve le 16 hein, à 10h30 sur ma chaîne pour ma wishlist. Enfin bref, je vous fais d'énormes bisous et puis je vous retrouve très 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 vite pour une prochaine vidéo. Bisous! But the fire is so delightful, and since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.